Yes, salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 22 des Sans Titres. Hier, c'était un son un petit peu ambiancé avec un thème un peu spécial. Aujourd'hui, on va parler d'un thème encore plus spécial et ça va être beaucoup moins ambiance. Je vous le dis tout de suite, ça va être beaucoup, beaucoup moins ambiance. Là, aujourd'hui, on va parler d'un thème, c'est imagine, tu te sépares de la femme ou de l'homme que t'aimes, d'accord? Tous les deux, vous faites vos trucs de vos côtés, mais vous vous rendez compte que vous vous aimez toujours, tu vois. Donc, vous faites quoi? Vous vous revoyez, vous essayez d'arranger les choses, vous essayez de discuter. Mais c'est compliqué! C'est compliqué, on connaît, c'est compliqué. Quand t'as un truc qui a été cassé, c'est compliqué de reconstruire. Même si t'es Charlie Ingalls. Mais en tout cas, même si t'as l'envie de le faire, c'est super compliqué, vous savez très bien. Donc, j'avais envie d'aborder ce thème. J'essaie d'aborder beaucoup de thèmes qui ont un rapport avec l'amour, les relations humaines, etc. J'avais envie d'aborder ce thème aujourd'hui. J'avais envie de faire un son sur ça, tout simplement. Et pour que le son soit vraiment intéressant et que je puisse m'imprégner du truc, je me suis inspiré de ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Donc je vais vous raconter un peu comment moi j'ai vécu une certaine époque de ma vie, une certaine période de ma vie qui est un peu dans ce sujet. Donc voilà, je me suis inspiré, disons. Je me suis inspiré. Tout ce que je raconte n'est pas forcément l'histoire vraie, mais je m'en suis beaucoup inspiré. Je vais me livrer un petit peu à vous. Je vous fais écouter la prod maintenant. Vous l'avez dit, c'est beaucoup moins joyeux. Et comme d'habitude, qui dit prod dit top line. Bebangs, bangs, c'est parti pour la top line. Mais c'est quel genre de top line ça? Mais c'est quel genre de top line? Si t'es artiste et que tu cherches un top liner, appelle, tu veux des hits, appelle. Le mec s'ambiance. On sait jamais si t'as besoin, n'hésite pas. Du coup, on a écouté la prod, la top line, je vous ai expliqué c'était quoi le thème, de quoi je m'inspirais. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on écoute le son, c'est parti, Bebangs Bangs. You know me. Sans titre. Épisode 22. Y'a un malaise. Pourtant on a essayé de parler. Le malaise fait qu'on a du mal à se regarder. J'ai trop souffert. Et un jour c'est mon corps qui a fini par tirer l'alerte. Malgré toutes ces galères, j'ai brûlé le livre même si c'était une grande perte. Et même si un jour tu revenais, la page est tournée. On devrait réécrire notre histoire et imaginer qu'on n'a jamais eu de passé. Mais dis-moi seulement si tu pourrais tout oublier. Le présent faut l'assumer, ne pas reprendre où on s'était laissé. Mais le faire comme si on ne se connaissait pas. On n'a jamais eu de passé, même si c'est le cas faut effacer et repartir à zéro. Même si on s'est aimé, du mal on s'en est fait. Mais faut repartir à zéro. C'est la vraie vie si ce n'est pas du cinéma. L'amour le vrai, lui, ne se contrôle pas. Et si ta chatte t'a miaulé passé par là, le lion est sorti, ne me le reproche pas. Il paraît qu'il faut parler comme des adultes pour reconstruire une vraie histoire. Mais j'ai parlé dans le vide pendant des années et l'impression d'être seul chaque soir. Où étais-tu quand j'étais au fond du trou, seul et dans le noir? J'avais besoin de personne d'autre que toi, que tout le monde était là sauf toi. Alors si un jour tu veux revenir dans ma vie, je te dirai sauve-toi. Et si je tombe dans le piège de ton amour, je me dirai pauvre moi. J'ai toujours écrit et chanté que si c'est pas toi, ça sera pas une autre. Ça sera sûrement pas toi, mais ça sera sûrement pas une autre. C'est la vraie vie si ce n'est pas du cinéma. L'amour le vrai, lui, ne se contrôle pas. Et si ta chatte t'a miaulé passé par là, le lion est sorti, ne me le reproche pas. On n'a jamais eu de passé, même si c'est le cas, faut effacer et repartir à zéro. Même si on s'est aimé, du mal on s'en est fait, mais faut repartir à zéro.
repartir à zéro. À zéro. Il faut me repartir à zéro. Oh, oh. Yes, voilà la team, c'était l'épisode 22, j'espère vraiment. Alors là, pour le coup, j'espère vraiment que vous avez kiffé ce morceau parce que j'ai donné de ma personne pour vous faire ce morceau et je vous avoue que j'ai bien kiffé, j'ai vraiment adoré ce morceau. Donc voilà, donc si toi t'as apprécié, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout un truc, je vous le demande rarement, mais partagez mes vidéos un maximum parce que c'est grâce à ça que ce challenge il va évoluer. Parce que si vous partagez pas, au final, bah, personne va tomber dessus et ça serait vraiment dommage, je trouve. Donc je vous dis à demain pour l'épisode 23 des sans-titres. Prenez soin de vous, c'est super important. Prenez soin de vous et de votre famille. Et à demain. Bye, banks.